au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, une valse à cent ans, faire le tour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, presque nos amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, presque nos amants 333 fois le temps de bâtir un roman. La 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 la. Oui, je crois que vous avez raison de dire qu'il faut être très prudent. A priori, je refuse toujours de faire des prédictions sur l'avenir. Et cela est basé sur un simple fait que dès qu'on entre dans les phénomènes humains, il est impossible de prévoir l'avenir. Pourquoi? Parce que le seul fait de faire des prédictions influence ce que nous allons faire. Ce n'est pas du tout ce qui se passe en science. En science, vous pouvez prévoir qu'un électron va faire ça. Il ne le sait pas, lui. Il va faire ce qu'il a à faire. Mais le seul fait que l'on prenne conscience de cela va influencer ce futur. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'il va l'influencer suffisamment pour renverser ce spectre de la destruction? Alors là, on entre dans la question de savoir si on est optimiste ou pessimiste. Moi, je suis volontairement optimiste. Volontairement optimiste, je dis, on ne peut que vouloir être optimiste. Parce que si on est pessimiste, c'est foutu aussi. Si on décide que non, malgré tout, on va faire quelque chose, alors il y a la possibilité que ça se passe bien et que l'humanité soit encore présente dans quelques siècles ou quelques milliers d'années et que l'on dise, ben voilà, nous avons eu cette crise à passer, nous l'avons bien passée. Je ne sais pas,
Il y a des gens qui disent « j'ai confiance en l'espèce humaine ». C'est très dangereux de dire des choses comme ça. D'abord, l'espèce humaine n'a jamais rencontré des problèmes comme ceux que nous rencontrons aujourd'hui. Des gens disent que l'espèce humaine a toujours résolu ses problèmes. C'est faux. Je crois que nous sommes notablement mauvais à résoudre nos problèmes. La preuve, c'est que un problème aussi simple que celui de la guerre, du racisme, de l'oppression, on est lamentable. Regardez les quelques derniers milliers d'années, regardez ce qu'est l'histoire des hommes. Et après ça, dites que les hommes ont bien réussi leurs problèmes.